Okay, we are live. I begin. Oui. Dear colleagues, dear friends, let me first, on behalf of Liberal International, thank our partners, FNF, Fondation Friedrich Naumann for Freedom, and especially Mrs. Ingy Herbert, FNF Regional Director for Sub-Saharan Africa, Joseph Lange, Managing Partner of the Innovation in Politics Institute, without whom this project of ally political startup incubator would not have been possible. I would like also to thank the Africa Liberal Network for their support with the program. I'm also very pleased, as the first president of Liberal International from beyond the continent of Europe, to have worked with so many excellent colleagues from FNF, ILN, and the Innovation in Politics Institute to deliver the first round of this project. Today marks the culmination of 8 month journey for our three African political parties. Since March this year, parties from Uganda, Botswana, and Ghana have all benefited from participation training from some of the best political practitioners around as part of the Ally Political Startup Incubator. Whereas commercial and social entrepreneurs can rely on established support networks to achieve their goals, the Ally Political Startup Incubator is designed so that over time, the individuals and party whom complete the course will contribute to building a global community of political entrepreneurs and innovative politicians with a passion for liberal democratic values. Of course, COVID has prohibited our training taking place in person, but it has not slowed our progress towards better equipping centrist political parties who will work to deliver more freedom, promotion of human rights, greater respect for the rule of law, and strengthening democratic tradition in their countries. Remember that in completing this course, your achievements will not only be measured today, but over months and years, as your party adds more members, win more MEPs, and ultimately governs your country. I am ambitious for each of you, and I hope that you will look back in the years to come and remember the small but significant contribution that the Ally Political Startup Incubator was able to make to your road to success. I hope that you will then turn and ask how you can help and inspire the next generation of liberal democratic leaders in other countries. Today, our keynote speaker could not come from a more fitting political leader, and it is to him that I now turn. It's my honor to introduce the President-elect of Guinea and Liberal International Vice President, Hans Selou Diallo, to deliver today's investor address. Selou is a dear friend, and following tumultuous election in Guinea, no one knows better the importance of supporting like-minded colleagues and battling to overcome what seems to be impossible political odds. Dear Selou, the Global Liberal family supports your fight and will continue to denounce the non-transparent and corrupted way Alpha Condé has dealt with the result of the presidential elections. And it is to you that I now hand over the floor. Thank you, Selou, you have the floor. C'est bien, je
commencerai par remercier mes collègues du bureau de l'International libéral ici présents et sur ceux qui ne sont pas présents pour la solidarité manifestée à mon endroit depuis que j'ai commencé à traverser cette épreuve. Cette épreuve, ce n'est pas seulement la séquestration et l'occupation de mes bureaux, mais c'est aussi le hold-up électoral en cours au détriment des choix exprimés par le peuple qui majoritairement m'a élu dès le premier tour. Ce n'est pas courant que un membre de l'opposition soit élu dès le premier tour. Évidemment, lorsqu'on connaît mon histoire, en 2010, j'avais été aussi élu au premier tour. J'avais dû me résoudre à mon corps défendant à accepter le hold-up pour éviter que le pays ne sombre dans la violence qui aurait pu déboucher sur la guerre civile. Merci pour tout votre soutien. Je me suis senti entouré, soutenu par des hommes et des femmes de conviction avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Et lorsque ces valeurs ont été menacées en Guinée, ils se sont levés, ils se sont mobilisés pour attirer l'attention du monde sur ce qui se passait et ils ont réussi à faire réagir le monde. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux et le pouvoir, la dictature est dans une situation difficile parce que après le groupe Renew Europe, après le Parlement européen, après le haut représentant de l'Union européenne, après le Quai d'Orsay, hier c'était le gouvernement des États-Unis et à travers le département d'État qui a délivré vraiment une bonne déclaration aussi, condamnant les violences, condamnant la fraude électorale. Donc je voulais saisir cette opportunité pour vous remercier pour ça. Mais je voudrais vous remercier aussi pour m'avoir donné l'honneur de prononcer en quelque sorte un discours de clôture d'une formation innovante qui vise à renforcer les capacités de nos partis politiques. Parce que le meilleur moyen de défendre la démocratie, de défendre les valeurs libérales, d'aller à la conquête du pouvoir et de l'exercer de manière vertueuse, dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt du libéralisme qui est considéré comme une doctrine qui libère l'homme et qui le responsabilise, je pense que c'est d'abord les hommes. Il faut qu'ils disposent des capacités nécessaires pour exercer cette fonction noble de politique, d'homme politique dans nos États. Et cette initiative de dispenser cette formation valorisante aux jeunes cadres de nos partis politiques, croyez-moi, c'est une excellente initiative parce qu'il y a un déficit de capacité dans l'animation, la gestion des partis. Et ça, je pense que c'est une initiative qu'il faut continuer pour que nous soyons plus outillés, non seulement pour organiser, animer nos partis, mais pour conquérir le pouvoir et l'exercer conformément aux valeurs que nous défendons. Donc, merci pour m'avoir donné cet honneur et je voudrais m'adresser aux participants. D'abord, pour les féliciter pour avoir suivi ce cours intensif et d'avoir accepté de se soumettre à toute la discipline nécessaire pour assimiler des cours qui ont été dispensés par des praticiens de renom. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils sont effectivement outillés pour aller apporter une valeur ajoutée non négligeable dans leur parti respectif et qui va être encore plus fort en tant que parti dans la conquête du pouvoir et surtout dans son exercice dans l'intérêt de nos populations. Les partis qui ont, chacun des partis qui ont participé ici, que ce soit le mouvement du Botswana pour la démocratie, le Parti populaire progressiste au Ghana, la plateforme de l'unité nationale en Ouganda, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, que le libéralisme est toujours menacé. Il est menacé, bien sûr, on l'a dit à Andorre, on l'a rappelé dans notre manifeste rénové. Il est menacé par l'intégrisme religieux, il est menacé par le populisme, mais il est menacé aussi par des gens qui prétendent être démocrates et qui se battent au nom de ces valeurs pour conquérir le pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont prêts à fouler aux pieds les valeurs libérales. Et c'est dans ce cadre que M. Alpha Condé est le meilleur exemple. Je disais que la Guinée est un cas d'école. Il est réputé opposant historique, qui prétend avoir s'être battu 40 ans pour la démocratie, pour l'état de droit, pour les droits humains. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il est devenu un autocrate
un dictateur qui n'a aucun égard, ni qui n'a aucun égard, ni pour son serment, ni pour la Constitution, ni pour les autres lois de la République, et ni pour les droits humains. Et donc, il faut que nous soyons les vrais libéraux, les libéraux de conviction. Il faut qu'on soit vigilants et que nous soyons mobilisés et unis autour des valeurs que nous partageons pour défendre partout le libéralisme que nous considérons comme la dictature et comme le régime qui libère l'homme et qui assure l'épanouissement de nos populations. Je voudrais féliciter les formateurs qui ont sans doute aussi contribué à cette formation et qui ont fait preuve aussi d'imagination, qui ont tiré dans leur expérience des éléments qui ont permis effectivement de donner cette formation et donc de renforcer les capacités de nos cadres qui vont rejoindre bientôt nos partis et contribuer à leur animation et à leur organisation. Je vais vous parler tout à l'heure de mon expérience personnelle, parce que comme je l'ai dit toujours, je suis un libéral convaincu. Mon engagement politique était lié à ça. J'ai vécu dans un régime révolutionnaire marxiste. J'ai vu des hommes et des femmes pendus publiquement parce qu'ils étaient considérés comme des contre-révolutionnaires. J'ai vu des parents qui ont péri au camp Boireau sous la guette noire, parce qu'on mettait les cadres à la guette, parce que c'est des traîtres à la solde de l'impérialisme et du néocolonialisme, la guette jusqu'à ce que mort sensible. Le premier secrétaire général de l'unité africaine, Diallo Telli, a péri par guette après 8 jours de guette. Il s'est éteint dans une cellule où il était seul, sans eau, sans nourriture. J'ai vu des justices, des procès expéditifs. J'ai vécu ça dans mon adolescence. Au départ, j'étais révolutionnaire comme tout jeune de mon âge. Mais après, j'ai commencé à m'interroger. Et puis, j'ai commencé à lire quelques livres. Zéro à l'infini d'Arthur Koestler. J'étais encore au lycée. 1984 de George Orwell. J'ai commencé à lire et à m'interroger et à voir la similitude de ce que je vivais dans ces livres et ce que je vivais. Et donc, ma conviction de libéral, je pense que c'est le libéralisme qui libère l'homme. Il faut lui donner la liberté. Et bien sûr, faire en sorte qu'il y ait aussi la responsabilité. On ne peut pas donner la liberté sans la responsabilité. Donc, il faut le former pour qu'il concilie, qu'il puisse jouir pleinement de sa liberté tout en étant responsable. Je voudrais féliciter naturellement l'international libéral ayant à sa tête mon ami Akima qui fait tout pour redonner un dynamisme nouveau à cette nouvelle organisation. Je voudrais féliciter naturellement la fondation Fredrik Naman avec mon ami le professeur Karl-Heinz Paquet qui aussi continue d'apporter un soutien inestimable à l'organisation, à notre organisation commune. Sans le soutien du FNF, c'est sûr que Libéral International n'aurait pas fait les performances que nous sommes en train de faire. Et vraiment, nous devons les féliciter et rendre hommage à cette organisation qui nous apporte un appui précieux. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Ne pas perdre beaucoup de temps. Vous savez, les valeurs très chères aux libéraux que nous sommes, il y a la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Les valeurs libérales pour lesquelles on se bat beaucoup, ici, ce sont ces trois valeurs essentiellement. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins liées, parce que lorsque vous lancez l'état de droit, lorsque vous pensez parler de démocratie et de droits humains, vous ne pouvez pas parler de liberté. Il faut qu'il y ait, bien entendu, une concurrence saine au niveau économique. Il faut une concurrence saine au niveau politique. La compétition entre les partis doit se faire et être encadrée par les lois électorales, par la Constitution. Il faut que les lois soient respectées pour que les règles du jeu soient respectées et que le meilleur gagne, que ce soit en économie, pour les entreprises, que ce soit dans la politique ou au niveau des partis politiques. Et c'est pourquoi les États sont dotés de lois qui encadrent justement toutes ces activités politiques ou économiques. Mais les adversaires, les ennemis du libéralisme, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils s'attaquent à ces valeurs. Alors, je vais donc essayer d'expliquer la situation en Guinée. J'aurais pu commencer par l'actualité. Je suis victime d'un hold-up. Je suis sur le point d'être victime d'un hold-up électoral, mais ce n'est pas la première fois.
la fraude électorale, c'est un instrument qu'utilisent les autocrates pour combattre le libéralisme. Parce que le libéralisme souhaite que la compétition soit saine et que les règles du jeu soient respectées. Donc, ils ne respectent pas du tout les règles du jeu. Et naturellement, chacun veut avoir l'image d'un démocrate convaincu. Donc, on fera des élections. On ne va pas se proclamer empereur comme on a tenté de le faire tantôt. On dira non, moi je suis un démocrate, j'organise les élections. Et on organise une mascarade où on se livre à une fraude massive, d'abord avant les élections. Alors, comment les jeunes cadres qui viennent de recevoir son information doivent être très vigilants parce que la fraude prend plusieurs dimensions. Il y a d'abord la fraude avant les élections. On essaie de tripatouiller le fichier. On recense dans les zones favorables aux partis au pouvoir des mineurs et on autorise des gens à se recenser 2, 3, 4 fois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le deuxième mandat du président Alpha Condé? Ils ont fait sauter le système AFIS parce que normalement, on a une liste électorale biométrique. Mais sans informer les partis politiques, ils ont mis de côté le système AFIS que les informaticiens connaissent, qui permet de détecter les doublons et de les éliminer. Donc, ils sont enrôlés à tour de bras dans les fiefs du président. Si bien que le corps électoral a explosé dans la région, alors qu'il avait une évolution tout à fait normale dans les autres régions. Ah, évidemment, on s'est interrogé, on a demandé que le fichier soit audité. Le pouvoir a refusé. On a organisé des manifestations, on a obtenu que le fichier soit audité. Et une fois qu'il a été audité, on trouve qu'il y a 3 millions d'électeurs problématiques qui n'avaient pas de dossier, des doublons, des mineurs. Le pouvoir refuse de les... la mission d'audit qui était composée de l'Union européenne et des Nations unies demande à ce que tout le monde revienne, qu'on réinstalle le système AFISH et que chacun se recense. Ceux qui ne viendraient pas pour prouver leur existence, évidemment, on les élimine. Le pouvoir a refusé de faire ça. Je passe, je ne veux pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, il y a aussi la violation récurrente de la loi et même de la loi fondamentale. Je prends le cas de la Guinée. On avait encadré les dispositions relatives au mandat présidentiel. Il y a eu un consensus, on a vu que le problème de conservation, de conquête du pouvoir avait suscité beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup de morts. Vous vous souviendrez de ce qui est arrivé au stade du 28 septembre en 2009, où on a tué 157 personnes, violées publiquement, sans femmes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Je reviendrai sur ça. L'impunité est une caractéristique aussi qui permet aux dictateurs de se maintenir au pouvoir. La violation, la Constitution ne permettait pas à M. Alpha Condé de briguer un troisième mandat. On a rangé les dispositions relatives à la durée des mandats et au nombre de mandats dans ce qu'on a appelé les dispositions intangibles qui ne peuvent être modifiées, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la pluralité politique et syndicale, le nombre et la durée des mandats. Et la Constitution a fermé toute possibilité d'être abrogée dans un contexte de continuité de fonctionnement de l'État. Donc, il n'y avait aucun moyen. Il fallait qu'il fasse le choix. Il a choisi d'abroger la Constitution et de donner une nouvelle Constitution dans laquelle il y a limitation du mandat. Mais on dit que les compteurs sont à zéro maintenant et que nous sommes dans une nouvelle République, ce qui lui permet pour lui de briquer un troisième mandat. C'est dans ce cadre-là qu'il est venu aux élections. Mais il y a une histoire que je ne peux pas ne pas vous raconter, même si le temps est terminé. Alors, au moment pour faire passer, pour faire la campagne pour cette compétition, il introduit, bon, maintenant pour les jeunes, il y aura des candidatures indépendantes, les partis ne vont pas avoir le monopole de la candidature à l'élection présidentielle. Et la campagne est menée sur ça. Le texte qui a été soumis au référendum a été soumis à la Cour constitutionnelle, qui l'a validé. Le ministre de la Justice l'a paraphé. Le journal officiel l'a promulgué. Au moment où le journal officiel l'a publié, au moment où Alpha Condé promulguait la Constitution, il se rend compte qu'il a des besoins nouveaux. Mais il change 21 articles, il élimine un,
Il élimine les candidatures indépendantes, il renforce les pouvoirs personnels du président de la République au détriment du pouvoir judiciaire et du président de la Chambre. Dès qu'il promulgue le texte sort, tout le monde constate qu'il est différent de celui qui était dans le journal officiel. Les avocats sont les premiers à réagir. Ils disent non, que le texte qui a été publié est différent. Tout le monde reconnaît que c'est différent. La Cour constitutionnelle est saisie, mais elle n'a pas osé de faire injonction au président de la République de publier le vrai texte. Donc, ça, c'est tout. Je dois donner 1000 exemples. Le président de la République on devait installer la Haute Cour de justice dès après l'installation de l'Assemblée. Mais il a refusé systématiquement. En Guinée, le président de la République et ses ministres jouissent du privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être entendus que par la Haute Cour de justice. Mais comme il avait peur d'être déféré un jour devant cette cour, il a refusé catégoriquement de l'installer. L'opposition a manifesté pour exiger qu'elle le soit. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt faisant injonction au gouvernement d'installer la Haute Cour de justice. Il a refusé catégoriquement. Il n'y a pas de recours contre lui à l'interne. Jusqu'à présent, la Haute Cour de justice n'est pas installée. C'est si bien qu'il y a une impunité totale qui est garantie au président, à ses ministres, même dans la gestion de la chose publique. Il y a des détournements, des scandales financiers énormes, mais on n'a aucun moyen de poursuivre les ministres. Parce qu'au niveau du Parlement aussi, étant donné qu'ils ont la majorité, aucune commission d'enquête parlementaire n'a été mise en place, malgré toutes les propositions faites à cet égard par l'opposition. Voilà les diverses manifestations des dictateurs, des ennemis aussi du libéralisme, qui ne sont pas les autres fléaux dont j'ai parlé, l'intégrisme religieux, le populisme et d'autres. C'est parfois des gens qui prétendent être démocrates, qui ont été élus soit par la fraude ou parfois même démocratiquement, mais une fois au pouvoir, ils changent complètement et ils se mettent vraiment à assassiner la démocratie, l'état des droits et les droits humains. Les droits humains en Guinée, depuis qu'Alpha Condé est là, lors des manifestations, il a été abattu 230 jeunes qui n'ont jamais eu droit à la justice. Il n'a jamais accepté qu'aucune enquête ne soit menée. Human Rights Watch, Amnesty International ont régulièrement dénoncé cette impunité et cet usage par les forces de défense et de sécurité de leur arme à feu contre les populations civiles en train d'exercer un droit constitutionnel, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Donc là aussi, cette impunité constitue aujourd'hui une plaie béante de notre système. Il n'y a pas de recours interne parce que, vous savez, l'état de droit signifie la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions. Mais les dictateurs n'acceptent jamais d'institutions indépendantes. Même si dans les textes, elles le sont, on choisit des hommes de paille, prêts à obéir aux instructions du chef et qui n'ont aucun égard pour le respect de la loi. Si bien que vous avez l'air que vous avez une république avec des institutions indépendantes, mais dans la réalité, ces institutions ne jouent pas leur rôle. C'est le désir du tyran qui est appliqué par tout le monde parce que dans le choix des hommes à mettre à la tête de ces institutions, eh bien, c'est des hommes de paille, des bénis oui-oui, qui sont là, qui veulent être loyaux vis-à-vis des chefs qui les a nommés et non à la République. La preuve, lorsque le président de la Cour constitutionnelle dans notre pays a exprimé des réserves, même son opposition au tripatriage de la Constitution pour un troisième mandat, mais Alpha Condé l'a fait balayer pour mettre à sa place un homme à sa dévotion, si bien que les choses sont allées plus facilement après, à quelques mois avant d'engager son référendum, il a changé brutalement, de façon inattendue, le président de la Cour constitutionnelle qui était supposé être inamovible. Donc voilà quelques manifestations des forces antilibérales qui ne sont pas simplement les fléaux que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, mais qui sont issus parfois de partis politiques se réclamant des partis démocrates et républicains. Mais dans la pratique, ils assassinent les valeurs libérales. Donc, ces jeunes auxquels on est en train de s'adresser doivent être très vigilants. Que leur parti soit dans l'opposition, dans le pouvoir, ils doivent être des hommes et des femmes de conviction pour défendre ces valeurs. Dans l'opposition, on doit les défendre et dans le pouvoir, on doit résister à la tentation
du pouvoir personnel qui hante tous nos dirigeants, refuser de combattre la corruption, travailler pour une meilleure répartition des richesses nationales, garantir l'égalité des chances et une parfaite concurrence entre les entreprises, les partis dans la compétition, qui est un instrument justement d'amélioration des performances aussi bien des partis, des citoyens que des entreprises. Je vous remercie. Merci, cher Monsieur le Président, parce que pour nous tous, on est convaincus. Moi, je t'ai vu à l'œuvre et j'ai vu le respect que tu avais au niveau de la communauté internationale. Je t'ai vu dans plusieurs pays, entouré de milliers de personnes. Et donc, tu as su déjà gagner le respect de toutes ces personnes. Et je suis sûre qu'en t'écoutant, et en dirigeant le parti que tu diriges aujourd'hui, t'es non seulement les membres de ton parti, mais les Guinéens en général vont reconnaître en toi l'homme démocrate, celui qui fera de la Guinée prospère de demain. Donc, merci, tu es une véritable inspiration pour nous, Africains, pour tous les jeunes de nos partis. Et moi, j'aimerais rappeler ce que tu as fait parce que j'ai suivi avec toi ces élections. Et ce qui a été, à mon sens, très astucieux de ta part, c'est l'organisation que tu as menée au sein de ton parti pour pouvoir à la fin prouver et donner des preuves à la communauté internationale comme quoi les résultats qui ont été présentés par le soi-disant président actuel sont erronés et sont non transparent. Cette organisation où tu as dépêché 32 000 jeunes bacheliers et universitaires à aller superviser tous les bureaux de vote à travers le pays, à utiliser la technologie pour avoir la preuve et faire une copie des PV des bulletins de vote et les envoyer et les sécuriser dans un serveur international. Chapeau, c'est une très belle organisation et je voulais te féliciter pour ça. Et ça m'a réconforté le jour où tu m'as dit, Hekima, j'ai les preuves. Et c'est ça qui a fait que nous avons pu apporter notre participation pour avoir le soutien de la communauté internationale. Donc, merci pour cet exemple. Mon deuxième souhait et rêve, c'est que ce soutien international vient de nos institutions africaines. Aujourd'hui, j'aurais aimé et j'aurais souhaité et je rêve que nos institutions africaines jouent ce rôle. En tant qu'Africaine, j'en serais fière. Aujourd'hui, nous avons le soutien de la communauté internationale, mais j'aurais aimé que Sello Diallo soit soutenu par la communauté africaine et les institutions africaines. On y arrivera avec le travail des partis démocrates, on y arrivera en inculquant les valeurs et l'éthique de la politique au niveau de nos pays. Et sur ça, c'est sur ça qu'on travaille et c'est pour ça qu'il y a cet incubateur. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais venir, pas sur un plan virtuel, même avec le Covid, j'aimerais venir célébrer ta présidence en Guinée. Bravo. Merci, Akima, merci, Inge, merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser cette émission et à me faire l'honneur de m'exprimer à cette occasion. Alors, Alpha Condé a dit tout de suite, je ne veux pas de l'Union européenne, de la francophonie et des Nations unies, ni dans l'assistance technique, ni dans le financement des élections, ni dans l'observation électorale. Que lui, il est africain. Il va se contenter de la CEDEAO. C'était ça, c'était suspect. Les trois autres organisations qu'elle a exclues ont toujours accompagné la Guinée dans l'organisation des élections. Mais il n'a pas voulu, il dit non. Et les Nations Unies ont demandé qu'on leur adresse une demande, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont de l'expertise, qu'ils peuvent déployer des gens pour assister la CENI, assister la Guinée. Il a dit non. Lui, il est africain. Vous savez, c'est au nom de ça, de ce nationalisme ombrageux là, qu'on commet beaucoup de crimes démocratiques, enfin, dans la démocratie et dans l'espace. C'était suspect. On s'est battu, nous, en opposition, pour que ces gens soient là. Il n'a pas voulu. Je voulais juste apporter cette précision sans aller au-delà.
Dear Selou Dalin Diallo, thank you so very much for honoring this platform of the political startup incubator with your keynote speech. Rightly termed, you're the elected president of Guinea. You're the president of UFDG. Hakim El Haite, she said it, the global liberal family supports you. We are trying to do everything we can. But we see that you've very well prepared the proof of the real results, something Hakima just mentioned. And that is now also a link to the political startup incubator. And thank you so much for addressing the young participants of this workshop, because the things you have implemented in Guinea, our colleagues have been trained on just that. How do you keep internet security? How do you do marketing in digital times? All these things are really very, very important. I would like to extend my thanks to Liberal International, Hakima El Haite. Thank you so much for being here today and for your colleagues and teams having participated in the organization of this workshop. Very warm regards to Africa Liberal Network, who has also been implemented operationally. The colleagues from Friedrich Naumann Foundation, Johanna Hans, who did a lot of work for that, but of course, especially to the organizers, Josef Lensch and Marie from Innovation and Politics. I had the occasion to follow a lot of these trainings, the different modules, at least the virtual ones. There have been fantastic trainers. Every one of us could learn a lot in that, and I'm sure we're going to use them more also for other member parties of Liberal International and ALN. There has been a very, very good exchange of experience, and but the most greetings today go, of course, to the participants. So the people from Botswana Movement for Democracy, People Power Movement from Uganda, and the PPP, Progressive People's Party in Ghana. You've been able to do a first real workshop coming together in person, but then we had to go into the virtual space. But you all showed so much commitment, and I could follow some of the results, and I will see more today. And I think you've really already applied a lot of what you've been learning. So you, some of you, you're already since a long time member of the Liberal Networks, and some of you have come much closer to us now by doing these workshops. You are part of the Liberal family. You showed with your commitment that you contribute to spreading liberal values. You're part of our alumni network. We will open our network to more trainings with the Liberal Networks, with Friedrich Naumann Foundation. And I look forward to following this day to do with you. And my special regards to you, Selou, regards to Guinea. Thank you very much. Thank you.